مشاهدي لو 360 مرحبا بكم. نتواجد الان في قصر الامم المتحده بجنيف ورائي القاعه 14 اللي غادي يجري فيها هورست كولر المبعوث الخاص للامين العام حول الصحراء المغربيه ندوه صحفيه. هذا اللقاء ديال كولر مع الصحافه سيجيب على سؤالين. السؤال الاول، هل هورست كولر جرى الجزائر للانخراط الفعلي لحل القضية الصحراء بطريقة سلمية وواقعية؟ والسؤال الثاني، هل استطاع أن يجر الأطراف منها الجزائر إلى لقاء ثالث، أي طاولة مستديرة ثالثة؟ الجواب على هذ السؤالين المهمين انتظروه بعد قليل. Ladies, gentlemen, I'm happy to report to you that we have just finished the second... Dans un communiqué, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, M. Horst Köhler, a rappelé qu'à son invitation, les délégations du Maroc, de l'Algérie, du Polisario et de la Mauritanie ont pris part à une seconde table ronde les 21 et 22 mars près de Genève, conformément à la résolution 2440 du Conseil de sécurité. Les délégations, a affirmé M. Köhler, se sont engagées courtoisement et ouvertement et dans une atmosphère de respect mutuel. Elles ont salué le nouvel élan impulsé par la première table ronde en décembre de l'année dernière et se sont engagées à continuer à adhérer au processus de manière sérieuse et respectueuse. Les délégations, a-t-il ajouté, ont convenu de la nécessité de renforcer davantage la confiance. Monsieur Köhler a indiqué que les délégations ont eu des discussions approfondies sur les moyens à même de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable à la question du Sahara. Une solution réaliste, pragmatique, durable, basée sur des compromis justes et viables, conformément aux dispositions de la dernière résolution 2440 du Conseil de sécurité. À cet égard, elles ont convenu de poursuivre les discussions afin d'identifier des éléments de convergence, a-t-il affirmé, ajoutant qu'il y a eu consensus qu'une solution à la question du Sahara bénéficierait à l'ensemble du Maghreb. Les délégations, a-t-il relevé, reconnaissent que la région a une responsabilité particulière pour contribuer à parvenir à une solution avant de conclure qu'elles ont accueilli favorablement l'intention de l'envoyé personnel de les inviter de nouveau à une rencontre selon le même format. In the same format. Thank you and goodbye up to the next time. Thank you.